soir. C'est Ginette et Josie qui se retrouvent à la cafétéria et elles évoquent des souvenirs d'enfance. Moi, quand j'étais toute petite, quand j'étais bébé, mon père, pour m'endormir, il me faisait sauter sur ses genoux. Ah oui, et ça suffisait à... Ta gueule! On va me dire à mes souhaits, hein, c'est mal élevé! Oh! Et ça suffisait à t'endormir? Eh ben oui, chez nous, le plafond était très bas. Là, vous l'avez saboté, hein? Je suis désolé. Parce que, en principe, ça devait marcher, hein? Seulement, bon, ça a tout foutu partout. Ça fait rien, il va la refaire. Mais il va la refaire, mais il fait toujours mieux la seconde fois. Non, il va en refaire une autre, parce que maintenant, c'est fini. Je suis désolé. Une autre, oui, une autre. L'impète, il va en avoir une autre. Ah, merde. Monsieur et Madame Farfelou, ils ont eu des mots. Alors, ils se sont couchés sans adresser la parole, et Madame s'est retournée. Alors, pour détendre l'atmosphère, Monsieur Farfelou, il s'est mis à compter du bout des doigts les vertèbres du dos de sa femme. Alors elle murmure, Jean-Raoul, arrête, tu me chatouilles. Son mari lui répond, eh ben quoi, je dis mon chapelet. Alors madame, plus conciliant cette fois. Oh! Le prix de camaraderie ne sera pas attribué cette année. Alors, madame, plus mais c'est fini, mon programme. Ils sont en trop mauvaise santé, c'est pas possible.